Les Algériens, et particulièrement les jeunes, semblent s'être donné le mot, ceux qui ne passent pas leurs vacances à l'étranger, qui travaillent durant le mois d'août ou qui au contraire sont revenus à leur pays d'origine, pour eux, le week-end est synonyme de plage ou piscine, même s'ils sont aussi d'accord sur le fait que nos plages sont bondées de monde. En général, le week-end, on le programme beaucoup plus, c'est pour se détendre, aller à la plage, se relaxer, bronzer et voilà, oublier tous ses soucis. Ben, pour moi, ça présente la plage, les piscines, sinon les journées entre amis, c'est ça, voilà. Parce qu'il n'y a pas où aller à part ça. Pour moi, le week-end, c'est la plage, c'est la défoule, c'est beaucoup de choses. Pendant l'été, pour moi, c'est la plage, et sortir en famille, dîner avec mes parents. Je passe mes week-ends à la maison parce que les plages en été sont pleines. Les moins jeunes ont un avis pour le moins différent. Pour eux, week-end rime avec repos, famille ou parfois même sport. Des fois, je rends la visite un petit peu à la famille, un peu partout. Après la famille, je fais un peu de sport. La moyenne d'une heure de sport par jour. Parce que quand on vieillit, on doit marcher. Vous l'aurez donc compris, les Algériens aiment leur pays, mais réclament plus de divertissement, plus de loisirs, d'animation. Pour eux, si les plages affichent complet en été, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Les estivants se morfondent sans solution dans un quotidien stressant.